Bien, je me suis installé. Ouais, désolé, j'ai un espèce de manchon autour du cou qui me vient presque sur la bouche. Voilà, hop, sur mon coussin avec mon espèce de poncho en laine avec les monstres qui sautent dans tous les sens. Bon, de toute façon, dès que j'ai fini cette vidéo, je remets mes gants. Ouais, ce truc-là, là, c'est super efficace. Je suppose que les petits vont finir par se coucher dessus, d'ailleurs. Ça me tient super chaud. À peine je le mets que déjà, j'ai quand même deux caleçons sous mon pantalon de treillis. Les bottes sont fourrées. Enfin bon, bref, ça devrait aller, quoi. Ouais, je suis de mauvais poil en plus ce matin. Pourtant, j'ai dormi mieux que d'habitude. Ce qui n'est pas dur d'ailleurs. Ah, bon, le soleil a fait une apparition furtive par là. Bon, va falloir que je change de sac, que j'en trouve un plus grand. Ben, j'ai forcément ça dans mon stock. Non, je rigole parce que derrière, ça essaye de manger ma veste ou ma capuche ou je sais pas quoi. Ouais, heureusement, il n'y en a que deux. Hein. Donc, ouais, un sac plus grand. Prévoir. Bah, je sais pas, peut-être un thermos. Et puis, ouais, un kit feu, parce que là, il y a quand même pas mal de bois mort, hein, sur le bout de terrain où je suis. Et 2 secondes! J'en ai un, hein, des kits feu tout prêts, en fait, hein, mais bon, je pensais pas en avoir besoin en gardant mes bics. Après, c'est pas mal, ça m'entraîne, hein. Pour l'instant, je tourne autour de la yourte. Enfin, ou à peu près, quoi. Mais on sait jamais, on va savoir, ça se trouve, dans quelques années, je serai peut-être un peu plus bon, itinérant, avec les biquettes, on sait pas. Hein, la vocation, tout ça pourrait venir. Ça aide beaucoup la technologie. Hein. Autant c'est vrai, je suis un solitaire et j'aime ça. Ouais, je trouve que la plupart des gens sont insupportables. Bon, puis ça tombe bien parce que eux aussi me trouvent insupportable. Donc voilà. C'est pour ça que je vis à l'écart. Je trouve que c'est plus simple avec les bêtes. Elles ne me jugent pas. Elles s'en foutent que je sois borderline et que je pète des câbles. Moi, je leur en fous, je m'en fous aussi qu'elles soient ce qu'elles sont. Voilà, donc tout va bien. Voilà, ça, c'est un petit bouc, ça commence déjà à vouloir cogner de la tête. Hein? Ouais, ça m'amuse. Bon, pour l'instant, en tout cas, hein, quand il aura pris quelques kilos, ça m'amusera peut-être moins. Mais encore, je suis pas sûr. Je me fais vieux, mais j'aime bien chahuter encore. Bon, tu ne veux pas aller jouer avec ton frangin quand même? N'importe quoi. Ah, on sent bien les petites cornes qui poussent. Hein. Donc là, ça y est, ils ont 15 jours. Depuis hier, 13h30, un truc comme ça. Donc bon, voilà. Bref, faut que je me trouve un autre sac. Bon, j'ai ça quelque part. Et que je prépare mieux mes affaires. Bon, là, déjà, je suis content d'avoir ce truc en laine là sur moi. Bon, il va pas rester propre longtemps. C'est dommage parce que je pense que c'est un truc de très très bonne qualité et qui doit coûter un peu. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est peut-être pas du mouton, c'est peut-être de l'alpaga ou un truc comme ça. Je pense que c'est un truc Chili ou je sais pas. Bon, bah là je suis pas mal. Là je suis pas mal. Je suis pas mal. Bon, bah voilà, je vais arrêter là. Je vais remettre ma mimine au chaud. Je vais rester là jusqu'à l'heure d'aller boire un café. Ah, ça y est, celui-ci il se couche. Bah, tu penses, hein, s'il a compris comment c'était trop bien d'être couché sur cette couverture. Bon, bonne journée, ciao.